L'ontem que nous pouvons vivre, l'exemple, l'ontem que nous pouvons vivre dans la case pour maman. Maman, quand puis brinsel, et que nous prenons l'exemple brinsel, comme moi, ce brinsel là, on vient gratter. Je vous dis, madame là, on est plus en brinsel là. On va bien gratter, puis si vous êtes en haut pour manger. Frère, on va faire des brinsel en haut, on va dire deux madame, pas de plus brinsel, on va dire madame, quand plus brinsel, on va des fois, plus gratter, plus gratter, tu vas toujours m'entendre. Non, 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 tu vas m'entendre pareil. Le côté où tu m'as dit, vous dire moi l'amour, d'aller vous dire moi l'amour, mais vous dire on compte en chez vous, on compte en moi l'amour, mais l'amour du monde, j'allais guérir. Si vous voulez guérir, vous tirez, vous vous trouvez, vous d'aller, vous m'aurez l'eau là, ou bien les contraintes, vous d'aller, vous m'aurez l'eau. Non, 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 mais c'est quoi l'amour? Côté de l'histoire, c'est ça. Un grand élément de réponse. Trouve de sur la Rome, verset 21, qui me fait réciter. Allah Ta'ala jau, ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah Ta'ala fait une place tranquillité pour vous auprès de vos épouses. Auprès de vos madames avec qui vous faites le cas, Allah Ta'ala fait une place tranquillité. Ça, c'est le premier aspect. Mais tranquillité. Donc, c'est ça qui explique quand vous trouvez madame après une journée stressante, tout le stress pour la commence à tomber petit à petit. Commence à craindre. Mais ça va la couper dans l'île. Un aspect. Deuxième, Allah Ta'ala continue. Allah lui-même, Allah continue de dire où. Qu'il vient mettre dans eux, il vient créer entre eux, après qu'il vient mettre tranquillité entre eux, il vient créer auprès de Dieu, l'un l'autre, il vient créer l'amour, l'amour et la bonté, la gentillesse, le pitié, c'est ça. Oui. Comme ça, bien c'est là, nous comprenons qu'ici, il m'appelle content. Content ou allez avec qui vous faites les cas, content ou miché, avec qui vous faites les cas, il n'y a pas un tabou de l'islam. Allah Ta'ala lui-même qui programme, lui qui programme, il sait bien les hommes, Bilal Binnas, quand lié sur la nas, que tu connais ici, pour l'amour de Bilal Binnas, c'est bien les hommes. Lui-même peut faire au côté de la verset 21, de la verset, de la sourate Rum, verset 21. Allah Ta'ala lui-même peut faire au côté, ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle dire, comment t'es en madame, comment t'es en monsieur, quand on fait des cas au Bilal, ça fait pour gagner tranquillité avec lui, pour lui qui est apaisé quand on va côté au lit, qu'il n'y a pas de problème qui est là, qui va le vers lui. Donc, vous avez une certaine forme de sérénité. Ça, Allah Ta'ala lui-même fait connaître, bien qu'il crée ça. Bien qu'il crée ce qu'il m'appelle l'amour, ce qu'il m'appelle le content. Allah Ta'ala lui-même fait ça. Et là, vu que nous pouvons l'amour, nous pouvons couple, nous pouvons pas d'argent avec Dieu. Un petit événement. Une madame, une fois, elle dit à son mission. Quand tu étais content, définis-moi de l'amour. Madame, elle dit à son mission. Je lui ai dit, quand elle dit oui. Contente-toi, contente-toi, ou l'amour pour toi, comment dire, ça c'est bon d'amour, etc. Parce que j'ai dit, ok, c'est bon. Mais lui, il fait une comparaison. Un difil, un lapo, un est bien faux là-dedans. C'est un mot l'amour. Ça, c'est que Michel a répondu sur madame. Un lapo, qui est bien, bien faux là-dedans, c'est un mot l'amour pour toi, ça. Il y a plein de bien, il faut prendre la peau aux enfants, il y a la peau du vent, ou une divine, pas besoin de la peau, une divine, ou pas l'heure, ça. Tracer, 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 à force de l'orgueil, ou l'armée de l'orgueil, ou les doigts de l'orgueil. Ou les doigts, ou l'armée de l'orgueil, ou l'armée de l'orgueil, ou l'armée de l'orgueil, ou l'armée de l'orgueil. Michel a dit ce matin, on est comme ça. Et certainement, Michel, j'ai pu bien dérouler de ce esprit, mais il s'en va ça. Il s'en va ça. Vous voyez, c'est ça, Juliette, de Shakespeare, bien en 1976, la même chose, ça. Ni 1976 de la Baichoo, ni de l'année 1500, au milieu de la Juillet. Qui est non allé, on arrive à l'année 500, l'année 500 de l'Orient, environ. Tout le monde s'est réalisé. C'est fils d'Abdullah, qui dit ça en Somalie. Pour être plus précis, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit ça, Aïcha, radiallahu anha. Il peut dire Aïcha, radiallahu anha, il peut définir sur l'amour. Aïcha, moi, tu te racontes. Oh Aïcha, oui, ou l'amour qui doit aller parce que le limite qui te parle. Oh Aïcha, mais l'amour qui définit, comment tu termines le jour? Bon, vous allez, moi l'amour qui doit aller, comment dire, n'est bien, bien faux, tel l'amour. Et là, ça continue. Plusieurs fois, Aïcha, c'est quoi cause avec lui, comme vous allez, comme cause l'amour avec lui. Qui vous allez, comment dire, moi l'amour, moi, il est bien. Il dit, oh, Mohammed, son nom, que l'amour, sauve, n'est là qui position. Mohammed, son nom, pour moi, c'est lui, il est toujours bien, bien faux. Toujours bien et bien consolidé. C'est de cet élément qui prophète Mohammed, son nom, on est consolidé. Plus qu'il
14 ans, pendant les décennies, peut définir l'amour sur la terre. Donc, un premier mot que j'ai dit, bien évident, c'est qu'il n'y a pas de content, c'est qu'il n'y a pas de l'amour qui peut être tabou de l'islam. Allah Ta'ala mentionné dans ce Coran, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, démontré de sa parole, comme de sa action, Inch'Allah, le bon continue de l'amour. Ça, c'est le premier mot que j'ai dit, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc l'amour peut être tabou de l'islam. Deuxième conclusion, qui peut-être est moins évident, mais dit toujours là. Quand nous pouvons sa couple, sans nous poser là, pas Mohammed Khadija. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec Aïcha Moulokal. Quand Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié et fait avec Aïcha, il est parti là, 50 ans. Et c'est la plus qui s'est marié. Vous connaissez 50 ans, c'est quoi? Moi, là, quand je pense que l'arrière, un jeune enfant qui est loin, tcha-tcha. Là où 50 ans, comme vous voyez, quand vous pouvez voir ce que l'armée, il y a des bolos qui ont parlé. Ils font voir nos enfants, il y a un bolos, il y a des affaires comme ça. Ils font voir la même, il y a un bolos, il y a des affaires comme ça. Bolos là, vous venez là. Ah oui, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas plus que 50 ans qu'il va exprimer comme ça, en fait, sur la dame Aïcha. L'amour également, donc, pénalise. Comme Félix a été dit, on peut vivre avec sa dîme là. Donc, ce n'est pas qui m'a dit qu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, après qu'on m'a dit, fini là, on ne va pas être romantique. Bon, on exprime l'amour. Là, il vient de connaître avec là, les savoirs, c'est là. On fait vraiment sur le sang, il y a sur l'âge, il y a sur comportement, en termes sur parole, vis-à-vis, sur madame. Et puis, là, c'est ça, de sur la vie, l'exemple n'a pas manqué. Et le place, il y a encore, nous allons dire, bien souvent, on fait vraiment sur le sang. Il s'appelle ce madame, ce grand madame, pas un diminutif, c'est un nickname qui est bien plaisant pour terminer. Un hadith qui est rapporté, il dit oh Aïch, puis après ça, Aïch, on a le oh Aïch, tu voulais la laisser là, on ne fait pas ça. Oh Aïch, donc, oh Aïch, non, c'est pas ça. C'est tout de sous l'intimité de ce couple, c'est là tout ça câlin, tout ça d'orloté. Tout ça, la câlinerie, tout ça, gâté, tout ce qui nous appelle l'amour, pour une expression de nous l'amour, tient à lui en lien avec son madame. L'autre exemple, on est à Aïcha, d'après une définition qu'il a, un reportage, donc il tient madame Claire, c'est tellement Claire qui est posée. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui appelle lui comme moi, au Homaïra. Homaïra, c'est la dame à la teint blanche avec un lapeau rosé. Au Homaïra. Donc, faites-y ce que vous faites content. Le Liban terme, c'est ce qui fait plaisir, qui se bien à ce sourire, qui est bien plaisant à ce sourire, c'est ce qu'on fait sur madame Mouka. C'était ça le prophète Mohammed. C'était ça ce l'enseignement. Et c'est ça l'islam. C'est ça qui nous tout qui s'est implémenté. Mais nous implémenter, c'est pas, nous pouvons bien que madame, nous pouvons dire romantique, pas juste que madame, mais également madame fait dire, vous avez fait dire, il y a une sunna. Il y a une sunna qui arrive aux deux, qu'il soit une monsieur, qu'il soit une madame, genre masculine, genre féminine. Donc il y a aux deux. Donc pas hésiter. Pas hésiter. Si nous prenons ça même pas de principe, dans même idée de nos jours, dans l'année 2020 que nous pouvons vivre, c'est pas qui m'a appelé le porter. Il est un couillon, il est un bête, il est un imbécile. Non, c'est qui nous appelle le porter. Nous gâtons, nous tout cela fait partie de l'islam. Tout cela fait partie du comportement de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et délibérément, vous pouvez prendre l'exemple sur la chambre avec Aïcha, parce qu'à ce moment-là, quand on réagit encore une fois, donc, on a un peu de la même si vous voulez crier au bolon, même si vous voulez crier au tcha-tcha, peu importe qui vous voulez crier au avec ou pas, avec qui vous faites le cas, continuez de ça. Une conclusion générale qui nous tirait donc le plat, mais du coup, on a fait l'économie ici. Même moi, même vous, vous connaissez l'argent par facile. Économise l'argent. L'économise ressources, parce que l'ADN commence à démontrer nous à qui point il y a une limite à cette façon qu'il faut absorber dans la vie. Mais pas faire l'économie. L'eau en parole, l'eau en action, pour exprimer ou contentement, pour exprimer ou satisfaction, pour exprimer ou l'amour, pour exprimer ou tendresse envers l'autre avec qui vous pouvez vivre avec l'identité. L'eau là, parfait. Et également, au fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous appelle de nos jours du bon temps, passe les temps de qualité avec Souban Madame. Ça, c'est de faire partie, attention, du gosse qui s'en va là,
Pas des causes d'un roman d'amour, un dimanche qui existe pas sur les temps pour contenter sur madame, etc. Non, pas des dimanches qui n'a plus gros fort de lui sur la tête qui prophète Mohammed, selon Roi Ali, vous savez bien. Si n'a pas raté sa communauté là, n'est plus au lit. N'est sans les prendre, tout ça pas qu'à la lit prendre le lit. Et malgré ça, il se trouve les temps pour avec sur madame, avec Aïcha toujours, il se trouve les temps pour jouer avec sur madame, pour faire la course pour vous. Le plus comme ça va dire, ce qui est bien populaire. À un moment donné, il fait la course avec Aïcha va appeler. Sa plus tard, il refait la course en délibat avec Aïcha. Et là, il a Aïcha pour lui, quitte à ça. Également, il dit également, sorti le soir, devant tantôt, il a fait la mort chez ce matin, avec Aïcha en voiture. Et il y a le événement encore qui déroulait. Pourtant, Aïcha, au fait, tu peux être une chose qui peut dérouler dans la cour. Masjid, Aïcha, il y a une prophète, il reste avec lui, il est guetté, guetté, guetté. C'est ça que m'a dit, il dit un prophète, bon, c'est mon assiette, mon assiette. À aucun moment, il m'a dit, bon, on va aller, le soir, il y a un peu la bonne, on va aller, c'est mal, tu me trouves, tu me trouves. Non, prophète, il reste à côté de lui, il reste à côté de lui, il reste au lit avec tout ce l'amour, avec tout ce tendresse, avec tout ce patience au côté de son madame. C'est ça, madame, là, il parle, il m'a dit, bon, mon assiette, c'est satisfait, le bouger. C'est de ce type de relation qui est fait aujourd'hui avec son madame. Également, quand il se fait boire, quand il se fait boire d'un récipient ou bien mange d'un récipient, quand Aïcha a mangé, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps il prend la peine, intentionnellement, pour manger, pour se la lèvre, même place, quand sa madame là, il mange, s'il est en train de manger une cuillère, ou s'il est en train de récipient, il boit la lèvre, prophète, pour que tu appelles, pour boire des récipients, même place, pour se la lèvre, même place, quand sa madame, il pose se la lèvre, pour se la lèvre. C'est ça l'action, c'est ça l'essence. C'est ça comportement envers nous, messieurs, comportement envers nous, madame. Ça, ce qu'il appelle les temps de qualité, du bon temps avec le partenaire. Et dès le jour, si nous prenons ça, même principe qui nous déroulait, puisqu'il y a 400 ans, nous avons l'idée le jour là, une des applications principales, c'est quoi? C'est pas comme dans la base, mon madame, mon messieurs, vous posez avec moi. Moi, vous mettez mes likes sur le Facebook. Le mot post qui me fait là, vous dites oui, cause toujours. Il y a toujours là, allez, vous écoutez là, vous écoutez, ici, vous jouez avec toi là. Non, c'est pas ça. C'est pas qui quand vous cause toujours, vous chat toujours, vous WhatsApp, vous taper toujours, vous c'est ça qui appelle les temps à cause du partenaire, à cause du monde avec qui vous faites les cas, les temps de qualité, à cause de ce qui m'appelle du bon temps. Et un dernier aspect, nous parlons dire également, prophète Mohammed, l'exemple là, trop possible, vous pouvez citer maintenant. Prophète Mohammed, son nom, alayhi wa sallam. Et tu peux sortir par la masse, donc 5 fois par jour. Il sortit sur la case, puis à la droite. À chaque fois qu'il est sorti, il part à la ministre. Il part à deux minutes sur madame. C'est qu'il appelle une bisou. On passe sur madame. Donc, au moins, au minimum, 5 fois par jour, il se met en passe sur madame. Il démontre cela. Il démontre les tendresses. Il démontre les dévotions en réalité. Également, même quand il s'est fait ça, là aussi, à ce moment-là, là, Aïcha a rapporté qu'il profite de moi, c'est toujours payé chance, bisous avec son madame. En dépit qui décide de payer ça. Et le tout, ce qu'il nous va dire, Allah Ta'ala dit le Coran, verset 19, surah An-Nisa, Allah Ta'ala dit Arrachez-vous, bil marouf, compte bien envers ce madame. C'est sa signification, c'est ça l'esprit de sa vie. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, bienvenue à nous, qui meilleur parmi eux. C'est pas celui plus bon monsieur parmi eux. C'est pas celui qui a plus gros les bras, plus gros cerveau ou plus grand la force. Non. Meilleur parmi eux, c'est qu'il a le meilleur des comportements envers ceux et vous, envers ce panneau, madame. Et que nous cause meilleur comportement envers l'épouse, il est l'exemple de la vie prophète. Vraiment incroyable. Nous sommes capables de dire son mode de travail, madame, il y a une chose à nous dire pour une collègue féminine. Qui il a 17 relations de travail, pour la peine d'un homme, il y a 17 relations de travail, au moins 10 travail, c'est un peu. Et le côté, c'est pareil, il y a une petite jalousie envers nous, madame, la cause, il y a une collègue masculine dans ce travail, etc. Donc il y a une petite jalousie, c'est humain, il y a une jalousie qui, malgré qu'il parle au-delà, il n'y a rien de plus qui peut travailler entre eux. Mais Aïcha, le volontaire, ici, la nature est jalouse. Vous connaissez que ça n'est pas le plus jaloux, le dit le plus jalouse de Khadija, radiallahu ta'ala. Khadija, c'est qui? C'est premier madame du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Aïcha donne les cas avec nous, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, si vous mettez dans l'engagement bien cru,
j'avais déjà fini bien de carrière. On finit décédé. À ce moment donné, Aïcha allait lui dire, du moins qu'il était plus jalouse, c'est à dire, il passe l'imagination, ça. Bon, mais jaloux, on va vous amener du monde qui est vivant. Les jaloux, il y a du monde qui est fini, et les jaloux, il y a du monde qui n'est pas le même connu. D'abord, façon qu'il prophète, c'est que le lion, il a flatté en version de lion. Façon qu'il prophète, c'est que le lion, démontrer les bonnes qualités de Khadija. D'abord, ce qu'il appelle l'amour au prophète Mohammed, pour Khadija, c'est ça l'exemple. Et ce bon compagnon également, dès qu'on a l'enseignement qui finit par passer en ce plan, c'est pas juste ça, prophète-là, il y a souvent une parole, il y a souvent une action. Et Omar, Omar, c'est un caractère, vous connaissez Omar, il y a l'enseignement, il y a l'enseignement. C'est un bien tué, c'est une forte personnalité. Une façon pour réussir à définir, c'est-à-dire, tu m'as dit, c'est un pays. Une personne qui va faire dominer un musulman, la présence de Omar. Parce que c'est un chétan. Quand Omar mange d'un côté droit, droit, chétan d'un côté gauche, quand il y a Omar d'un côté gauche, chétan d'un côté droit. Ça a été personnalité là, Omar. On dit que les djali. Nous avons dit, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit sur l'enseignement de l'université, Omar, c'était un gradué de première classe dans sa université. Omar, on dit, un monsieur, qui est bien autant aimable, autant bien sur le monde, comme on dit, c'est qu'il y a des enfants et des choses. Un petit enfant aidé à ce moment-là. Comme ça. Omar, c'est une très forte personnalité, c'est bien dur pour moi, bien exigeant. Le prophète, pour moi, tu peux bien calmer. Lui, il me dit qu'un enfant, un monsieur, il peut me dire, un enfant, des amis sur la table. Vous voyez ça? Ça le contentement, les gars, qui s'en va dire, là, il y a une personne, là, il n'y a pas de faux enfants. Omar, il dit, un enfant, un monsieur, c'est comme ça. Si nous, la vie, c'est tellement les autres, ça va, il vient en basse, par exemple. Un jour, on a ce roulis, bien habillé, bien chic, bien parfumé. On a posé des questions. Je vais vous dire, fais-moi, autant beau, autant joli, autant bien, pour moi, madame, pareil pour moi, moi, je suis content de vous dire bien. Ça, c'est l'enseignement prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait une passe à Souban Sahara. Donc, conclusion, si nous n'écoutons que ça là, conclusion principale qui nous a attiré, c'est qu'il donne l'islam. L'amour, c'est pas juste un jour. Je dis madame, je dis mon partenaire, tu connais qui est arrivé, je vous dis, pas besoin de tracasser, pour que soyons là, la journée, pour que soyons là, pour que soyons la journée, pour que manger pour moi, soit, ni de besoin de brille de l'armée, de servir récipient chaud, de servir moi, manger de soi. Je vous dis, nous ferons la cuisine, normalement, qu'à la mort, le 5 septembre. L'islam, c'est pas 10 points pour moi, 10 points pour moi. L'islam, c'est le défaut, tous les jours, il y a que vous pouvez manger qu'à la mort, le 5 septembre. Moi, je voudrais être mal bord, beaucoup, mais seulement 5 étoiles, parce que 5 étoiles, là, une façon qui vous traite, ou façon qui vous comporte, ou envers où époux, envers où épouse. C'est ça l'islam. C'est pas une fois par an qu'à la mort de 5 étoiles. Mais s'il les faut tous les jours, être mal bord à la belle étoile, mes traitements, envers moi, dans mon vichier, c'est 5 étoiles. Pour vous, on adore ça. Sinon l'obligation même
du Créateur. C'est ça dont nous l'exemple. Nous Coran qui dit jamais. Nous prophètes des bosses comportement. C'est ça. Et tout ce qui nous fait causer l'eau, ce qui nous appelle l'aspect d'amour, tendresse, dévotion envers ou partenaires, une affaire qui est bien importante, mettre en phrase. C'est le cadre de l'ICA. Quand on fait un ICA avec un diamant, donc il y a qui tue sa vie applicable. Dans l'islam, il y a un concept, ce qui nous tend de nos jours, très commun. En passant, vous ne connaissez pas les certaines affaires communes, comme un crime de loi. Il y a un concept dans l'islam, ça fait le boyfriend, girlfriend, concubinage, etc. etc. Dans l'islam, exprimez-vous une relation intime avec un diamant du sexe opposé. Vous faites les dans le cadre de l'ICA. C'est quand on fait un nika, c'est quand on marie, on prend la responsabilité de la personne. Nika, c'est la façon, comment dire, ça plaisir de gagner ou vivre avec une personne du sexe opposé là. Nika, il vient contrebalancer avec une responsabilité qu'il vient mettre le haut, avec droit qu'il vient mettre le haut, droit et responsabilité envers sa madame là, envers sa mission. C'est ça l'islam. C'est ça le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, finalement, il est tout le long sur la vie. Donc, il faut qu'il fasse connaître. L'islam, ce n'est pas juste, comment dire, une religion. Hein, 5 fois la masse par jour. L'islam, hein, te lever 5h du matin, hein, pédant, sortir de 5h du matin, te lever là, fatigué là. Hein. L'islam, ce n'est pas juste, hein, pendant un mois, sacrifie-toi. Arrête de manger, arrête de boire, quitte au force food, quitte au calamor, quitte au caviar, quitte tout. C'est la cause prophétale, c'est la cause Allah. Donc, sacrifie-toi, manger. L'islam, ce n'est pas juste. L'islam également reconnaît ce qu'ils nous appellent valeur humaine. Il semble également reconnaître sa relation humaine là. Et encore plus en particulier, sa relation monsieur madame d'un couple, d'un cadre de Nika. C'est ça l'islam. C'est ça Allah Ta'ala, seule obligation qu'il met le nom du Coran. C'est ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, souvent l'action de la vie tous les jours. Et un couple, un bon couple, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah démontre nous, il y a la base, le nouveau principe, il y a la base de stabilité familiale. Stabilité familiale, il y a la base d'un gros boss, ce qu'on appelle bien-être associé. Donc, nous faisons droit de chaque frère, chaque soeur, qui finit marié, qui vive d'une bonne façon envers son madame, en suivant ce nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous faisons droit également, qui nous frère, nous bonne soeur, qui peut encore faire du cas, qui se gagne le portrait idéal, qui se fait du cas et qui se devient bon la vie, jusqu'à la fin des jours, tel jour. Inch'Allah. Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع